La philosophie du service national universel, Gabriel Attal, c'est d'abord impliquer davantage la jeunesse française dans la vie de la nation. Ça, c'est le grand objectif, avec des modalités. Expliquez-nous. Oui, il faut que ce service national soit utile à la République et utile aux jeunes eux-mêmes. Utile à la République parce que aujourd'hui, il y a un constat qui est clair. Vous avez une démocratie qui est fragile, oui. Vous avez plusieurs jeunesses, vous avez des jeunes qui sont très intégrés, des jeunes qui sont engagés, vous avez des jeunes qui étudient, qui sont en formation, sont et puis vous avez des jeunes qui sont déscolarisés, des jeunes qui sont décrocheurs, vous avez des jeunes qui ne sont pas engagés, vous avez des jeunes qui ne croient pas à leur avenir aujourd'hui dans la République et dans le pays, parce que la réalité c'est qu'on est dans un monde qui est très angoissant pour les jeunes. On nous explique tous les jours que la planète va mal, qu'elle se dégrade. On nous explique qu'on a un marché du travail qui est extrêmement sinistré, dans lequel il est très dur de s'intégrer. On explique qu'il y a des nouveaux risques en matière de sécurité, en matière d'attentats. Tout ça, forcément, c'est des angoisses. Mais moi, ce que je ressens quand je rencontre des jeunes, j'en vois beaucoup, j'en voyais avant, j'en vois depuis que je suis nommé au gouvernement il y a maintenant près de 3 semaines, les jeunes ont envie de s'engager. Il y a une vraie volonté d'engagement pour le pays qui a été, il faut le dire, décuplée par les attentats de 2015. Aujourd'hui, il y a un vrai attrait pour l'engagement, qu'il soit associatif, qu'il soit auprès des corps en uniforme, comme on dit, les gendarmes, les policiers, les pompiers. Et donc, l'objectif de ce service national, l'un des objectifs, c'est de permettre de susciter ces volontés d'engagement et de lever tous les freins à l'engagement qui existe chez les jeunes. Je rappelle Parce que s'engager, c'est bon pour la société, c'est bon pour l'intérêt général, c'est bon aussi pour les jeunes eux-mêmes. Parce que quand on s'engage, on grandit, on découvre des choses, on apprend des choses, et ça c'est extrêmement positif. J'aimerais bien qu'ils nous le disent, les jeunes, et ils peuvent nous appeler évidemment au standard. Dans un instant, on entendra du côté de l'UNEF et du côté de l'UNI, les syndicats étudiants, ce qu'ils pensent justement de cette réforme-là. Je rappelle, Gabriel Attal, que vous avez été tout fraîchement nommé au gouvernement, que vous avez une trentaine d'années et que cette jeunesse aussi, vous la connaissez, vous n'avez pas fait, vous, de service national, vous avez fait ces journées d'appel à la défense, oui, comme on dit. Bon, j'ai fait la JAPD, c'est une journée, c'est un peu... C'est une journée. C'est histoire de dire, quoi. Ce qui est certain, c'est qu'au cours de cette journée, j'ai rencontré des jeunes que je n'aurais pas rencontrés par ailleurs. Et que c'était intéressant, c'est une réalité. Oui. Y a des jeunes qui venaient de quartiers extrêmement différents, y compris de villes différentes d'Île-de-France, puisque moi-même, j'étais à Paris. Ce qui est certain aussi, c'est qu'une journée, c'est court. Une journée, c'est court pour un certain nombre de modules sur les métiers de la défense. On peut dire aussi que ça sert à rien aujourd'hui. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Il y a des personnes qui travaillent pour la JDC, comme ça s'appelle maintenant, qui accueillent les jeunes. Il y a des tests qui sont réalisés, notamment sur la maîtrise du français pour détecter l'illettrisme. Oui. Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas suffisant. Et qu'il faut un moment plus important pour à la fois réaliser d'autres tests en matière de santé, par exemple, en matière de bilan d'orientation, parce que justement, on parlait des jeunes décrocheurs tout à l'heure. Avoir une période plus longue à 16 ans, on peut faire un vrai bilan sur les parcours d'intégration des jeunes. Ça permettra de prévenir des décrochages à venir qui sont mauvais pour les jeunes, mauvais pour la société. Et puis surtout, je pense que ça peut être aussi le moment, et ça, les jeunes le demandent. En tout cas, moi, quand je les rencontre, ils me le disent. Ça peut être l'occasion d'apprendre un certain nombre de réflexes à avoir en cas de catastrophe naturelle, en cas d'attentat, en cas d'accident aussi. En France, on est très en retard sur la maîtrise des gestes de premier secours, par exemple. Oui. Vous allez dans les pays nordiques, et 80% de la population... Ça fait partie de leur culture, clairement. Oui, il y a 80% de la population qui est formée, qui sait réagir, qui sait quel numéro appeler et quel geste prodiguer quand il y a un accident à côté d'elle. Nous, en France, c'est exactement l'inverse. Oui, 80% ne sait pas.